je sais pas si je vais être reconnu. Moi, je trouve ça admirable. Mettons, Homer, il a écrit il y a environ 3000 ans. Ouais, environ 3000 ans. Puis on parle encore de Homer puis de l'Odyssée. Moi, je trouve ça impressionnant. Puis j'ai une angoisse par rapport à la mort. Fait que j'aimerais ça laisser une trace qui perdure pendant longtemps. C'est comme un peu une façon d'être immortel. Mais ça, Homer lui-même, il avait pas de pouvoir. Homer lui-même, il s'est pas dit comme « Ah, moi, je vais être connu dans 3000 ans. » Ben, je sais pas si... En fait, on le sait pas. Il s'est peut-être dit ça. Mais il a fait son œuvre. Puis ça peut être un objectif pour le soi idéal. C'est dire « OK, je vais m'asseoir, puis je vais créer mon œuvre. Après ça, je vais mourir, mon œuvre va disparaître, ou il va y avoir un feu chez nous, je vais tout perdre. » Je sais pas. Mais là où je peux unir les deux, c'est en disant « Mon soi idéal devient produire un album de musique. » Puis là, ben, c'est proche de mon soi réel parce que j'ai sorti mon premier album de musique cette année, en février. Fait que là, on voit que mes objectifs, mes idéaux, se sont rapprochés de ce qui est possible dans la réalité. Puis le reste, ben, ça m'appartient pas. Je peux pas décider, moi, si ça va être populaire ou pas populaire. Tu sais, je peux juste faire de mon mieux.